Good morning, Aleiden. Tu seras aujourd'hui le Minish Matam Ramiona Ben Chana, Peggy Bat Esther, Zara Bat Mazaltov, Shishportish, Simon Bat Leoni, Michel Novikov et Yaakov Ben Aisha. Si vous souhaitez vous aussi aider la prochaine étude de Mishnah, contactez 5 minutes éternelles. Nous étudions Shvuot, Perek Alef, Mishnah Bet. Koshe Yeshba Yedia Batechila, Vidia Basof, Vehelem Bentaim, Areze Beoleve Yored. Yeshba Yedia Batechila, Venba Yedia Basof, Seira Nessa Bifnim, Veyo Makipurim Tole. On entre dans le grand sujet de Toumat Mikdash Vekotchav qu'on évoquait dans la première Mishnah. Dans la première Mishnah, on a évoqué plein de notions. On trouvait deux qui font quatre. Il y avait quatre notions en fait. Il y avait dans les Shavuot, Yediot HaTouma, ce qu'on appelle Toumat Mikdash Vekotchav, les Negaim, il y avait Tzirat HaShabbat. Maintenant, on va mettre le zoom sur le dernier, qui était celui de... sur le deuxième plutôt, qui était Yediot HaTouma. Pendant les deux prochains chapitres, c'est-à-dire tout le chapitre Aleph, le chapitre Bet, on va traiter de fond ce sujet d'entrer au Beit HaMikdash alors que l'on est impur, de manger de la viande kadosh alors que l'on est impur. D'accord ? C'est la même chose. C'est-à-dire, j'ai un contact, je suis moi-même impur et j'ai un contact avec soit le lieu kadosh du Beit HaMikdash, soit de la nourriture kadosh qui vient du Beit HaMikdash. C'était un korban shelamim, par exemple, j'étais à Yerushalayim, on m'a sorti un korban shelamim, et je me suis rendu impur, et malgré tout, je vais le manger. Celui qui mange alors qu'il est tamé, transgresse bien sûr un grave interdit, s'il était beshogeg, alors la Torah lui explicite d'apporter un korban khatat. D'accord ? Pour le moment, notion claire ? Donc, concrètement, retenez comme ça pour la suite, on va parler juste du cas où je suis rentré au Beit HaMikdash, mais ça inclut aussi la même chose si j'ai mangé de la viande kadosh. Juste qu'on va se fixer sur un seul, comme ça on va arrêter de jongler, de passer d'un autre, comme ça on peut se fixer et avancer avec. Donc, je suis rentré au Beit HaMikdash alors que j'étais tamé, j'oubliais que j'étais tamé. J'oubliais que ce matin, pendant que je rentrais chez moi, il y avait un serpent mort devant moi et je l'ai poussé, comme ça, je me suis rendu impur en le touchant, et j'ai oublié ça. Je suis rentré ensuite au Beit HaMikdash. Et je suis ressorti, bien sûr. Après, je réalise mon erreur. Je me dis, oi, 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 j'ai transgressé un grave interdit. Je dois apporter un korban khatat. Quel type de korban khatat? De manière générale, tous les korban khatat sont en général des kisba o seira. Une brebis de la famille des moutons, de la famille des agneaux, des béliers. Non, c'est la même chose, c'est le mouton. Je m'embrouille. Désolé, j'ai grandi à Paris, j'ai pas grandi à la campagne. D'accord? Les chèvres. D'accord? Soit une chèvre, soit une brebis. Kisba Oseira, c'est comme ça qu'on amène un korban khatat. Ça, c'est de manière générale. Spécifiquement, dans quelques averot, pour, en l'occurrence, le korban de celui qui s'est rendu, qui est rentré impur au Beit HaMikdash, alors la Torah a donné l'option aussi que s'il est pauvre, alors, au lieu d'apporter un agneau, c'est-à-dire une brebis, qui coûte cher, il pourra apporter, s'il est pauvre, un tor, shnetorim, obnei yona, apporter à la place des pigeons, des tourterelles, je crois que ça s'appelle, d'accord, Torim et Obneyona, des sortes d'oiseaux. Et mieux que ça encore, si même ça, il n'a pas les moyens pour se les payer, alors il pourra apporter une minchat solette de la semoule, apporter une mincha, qui est nettement moins chère, bien évidemment. Et voilà pour la présentation générale de l'interdit. Maintenant, on passe un nouveau cap. Je vais faire une grande introduction. Pas trop grand non plus, mais on va introduire déjà des notions qui vont nous concerner. On va faire toutes les Mishnayot du chapitre vont tourner autour de ces notions. Donc autant s'y habituer, les répéter au maximum chaque jour un petit peu plus, sans trop nous attarder non plus malgré tout, mais au moins jusqu'à qu'à la fin on va bien comprendre les choses et elles vont nous imprégner. Deuxième notion maintenant, on a expliqué donc celui qui entre au Beit HaMikdash alors qu'il est tamé, il devra apporter un korban Olé Veyored. Olé Veyored, qui monte, qui descend, ça implique soit tu donnes le haut niveau, apporter une brebis parce que t'es riche, soit t'es un moyen, tu descends un petit peu, donc tu redescends, olé veyored, tu montes, tu descends, tu peux descendre aussi et apporter autre chose, et apporter un torim obneyona, et si t'as vraiment pas d'argent, tu pourras même aussi amener une mincha tzolet. Deuxième notion, la notion de yedia. Il y a quelque chose de très original, de manière générale. Quelqu'un qui découvre, après 30 ans, qu'il a grandi dans un couvent, dans un monastère, il découvre qu'en fait il était juif quand il était petit, ses parents l'ont caché à la Shoah par exemple, il a grandi avec les goyim et puis maintenant il découvre qu'il est juif. Alors, il va s'avérer que bien sûr, il aura transgressé constamment le Shabbat, tous les Yom Kippour, tous les jours de fête, tous les
il aura mangé plein de choses, des graisses interdites, des... Alors, est-ce qu'il devra apporter des... Qu'est-ce qu'il devra faire quand il fait tchouva? Il n'est pas du tout fautif, le pauvre, il n'avait rien à faire. Mais malgré tout, un juif qui transgresse une avéra, c'est en soi-même quelque chose de... qui demande réparation. Il devra apporter pour tous les korbanotes, toutes choses que la Torah a rendu passible d'apporter un chiouf korban, khatat, alors on le considérera qu'il est... il était shogeg, il était par inadvertance, il n'avait pas de connaissance, il devra malgré tout apporter un korban, un seul korban sur tout le Shabbat. Tous les Shabbatot qu'il a transgressé. Au lieu d'apporter un korban sur chaque Shabbat ou sur chaque avéra du Shabbat, pour lui on lui dit, t'as une seule erreur, c'est que tu savais pas que t'étais juif. Donc c'est une seule erreur, t'apporteras un seul korban pour le Shabbat. À part ça, t'as mangé des graisses interdites, relève, tu devras apporter. T'as mangé, t'as peut-être bu du sang, c'est plus compliqué à transgresser l'interdit de prendre du sang, étant donné qu'on fait cuire le sang, on va pas manger. T'as transgressé, t'as un interdit, où il y a un chriouv, c'est un interdit où il y a en théorie, si tu le faisais bémézide, tu serais chayav, karet, beshogeg, il y a un chriouv, khatat, d'amener un korban expiatoire, alors tu devras apporter le nombre de korban khataot, selon chaque avéra qui est chayav khatat. Ça, c'est vrai pour la plupart des interdits, à une exception, celui du... Peut-être qu'il y en a d'autres, je ne sais pas, je ne veux pas m'engager. En tout cas, une exception en tout cas à cette règle, c'est celui du korban, de Toumat Mikdash Vekodashav. Soit, il pensait que c'était un bon goy, il était en visite à Jérusalem, il est parti, pas Yerushalayim, mais Jérusalem pour eux, bien sûr. Il est parti au Beit HaMikdash, en tant que bon goy, qui voulait voir comment les juifs faisaient la Avodat Hashem, il a été émerveillé. Et il s'avérait qu'en fait il était tamé, il était impur, il avait touché un mort dans sa vie, ça lui était arrivé déjà de rentrer en contact avec des morts. Et ou d'entrer en contact avec toutes sortes d'impuretés, il ne s'est pas purifié, il pensait que c'était un goy. Il est parti au Beit HaMikdash, il ressort du Beit HaMikdash, et puis après il découvre qu'il est en fait juif. Alors là on ne va pas lui dire que tu dois apporter un korban. D'accord, j'ai pris un cas extrême, je ne sais pas pourquoi je peux te chercher aussi loin. Si, ouais, parce que je l'expliquais pas à la différence des autres mitzvot. De manière générale, on n'a pas besoin d'avoir connaissance pour considérer l'oubli. Que l'oubli nécessite un korban, un sacrifice expiatoire. Pour, spécifiquement, pour la Toumat Mikdash Vekotchav, il y a ici cette halakha particulière. Il faut que tu saches que tu as été pur, que tu as été impurifié, et que tu oublies que tu es impur, et que tu entres au Beit HaMikdash ensuite. Si toutefois, je me suis assis ici, j'étais pur, je me suis assis ici, et je suis ensuite parti au Beit HaMikdash, et après tout le monde découvre qu'il y avait en fait un serpent mort derrière moi que j'ai pas fait attention, je me suis adossé dessus, je l'ai touché. Donc je suis devenu impur. J'ai pas eu de connaissance. J'ai pas pris connaissance que j'ai été impur. Dans ce cas-là, je ne serai plus Chayav, Korban, Olev et Yored. J'aurais plus de Triou, Korban, Khatat. Je devrais plus, moi, apporter un Korban expiatoire. Il y a en cela, malgré tout, une certaine faute. Il faudrait une certaine réparation, comme on le verra dans la prochaine Mishnayot. Mais en tout cas, il n'y a plus ici le Triou spécifique. La Torah insiste ici en me disant que Vene'alam Mimenu, et il a oublié. Ah, il a oublié, ça veut dire qu'il savait et qu'il a ensuite oublié. Il faut savoir que j'ai été impurifié et après oublier que j'étais impurifié. Entrer au Beit HaMikdash et après seulement réaliser mon erreur. D'accord? On va déjà s'arrêter là. On va faire la première partie de la Mishnah, le Barthénoré, puis après on va expliquer la deuxième partie de la Mishnah. Ko Sheyesh Ba Yedia Ba Techila Ve Yedia Ba Sof Ve He'elem Bentaim. Toute impureté, tout cas de figure où il avait une connaissance au début, il a su, j'ai su que j'ai été impurifié. J'ai touché le Sheretz. Le Sheretz, c'est le reptile. Donc, j'ai pris connaissance, j'ai réalisé que j'ai touché le Sheretz, et après, je me suis souvenu que j'ai touché le Sheretz. Et au milieu, il y a eu un Ve'elem Bentaim. Il y a eu un oubli au milieu. Donc, j'ai fait le parfait Shogeg. J'ai su oublié, après je réalise mon erreur, et puis maintenant je dois porter un korban puisque je réalise mon erreur. Dans ce cas-là, Harei ze be ole ve yored. Il devra apporter un korban, ole ve yored, ce fameux korban khatat, où la Torah elle a laissé la possibilité d'apporter un korban qui coûte cher, un korban pour les pauvres, un korban pour les dalidalim, les très pauvres. D'accord? Autre notion à présent. J'hésite à la faire tout de suite, ou plutôt d'abord, je pense qu'on va d'abord boucler on va faire le Barthénoré tout de suite sur cette première partie, et puis après, la suite de la Mishnah, ce sera une introduction pour vraiment les 3-4 prochaines Mishnayot entièrement, qui seront relativement longues, mais tout va tourner autour de ce même sujet, donc je préfère boucler d'abord ça, c'était assez introductif et simple, et puis après on va commencer à entrer dans la complexité. Sheyesh ba yedia ba techila.
qu'il y a eu une connaissance de son erreur au début. Ayediot atumakai. Barthelme a un problème de chronologie de la Mishnah. Dans la première Mishnah, on a parlé de quatre cas de figure où il y avait Shtaim Shenarba, comme on expliquait dans la Mishnah précédente. Shvuot, deux qui font quatre. Yediot atuma, c'est à la chotla, deux qui font quatre. L'interdit de transporter dans sur la voie publique, du rejeté Eri, du rejeté Abim, deux qui font quatre. Et Marot Negeim, deux qui font quatre. Ça, c'était la première Mishnah. Maintenant, quoi, tu me jettes en plein milieu, dans une situation, je sais pas de quoi tu parles, quand je vais Yedia, Batrila, Mourutrila, Bsaf. Alors, le Bartanora nous dit, sache qu'il faut se rapporter à Yediot Atuma Kae. Si tu reviens en arrière dans la première Mishnah, tu verras qu'il y avait là-bas écrit Yediot Atuma, les connaissances de la Touma, deux qui font quatre. Eh ben, on se rapporte sur ça. Alors pourquoi tu te m'as parlé de ça? J'ai pas compris, on a dit qu'on commençait la Maseret Shvuot. Pourquoi tu commences pas d'abord à me dire l'Hilchot Shvuot? Tu veux me parler de ça? Parle-moi à la fin de la Maseret, consacre les deux derniers prakim de la Maseret sur ça, pourquoi tu parles de ça? Alors il y a une autre règle. Vaïda des outre melayu ou meferesh le ubereish. Ah, vaïda meferesh le shvuot et nefishi melayu. Étant donné que ce sujet-là, il est relativement petit, en deux chapitres on va le boucler. Et Shvuot, par contre, ça va nous prendre, je crois, 7 chapitres, ça va jusqu'à Perektet, si je ne me trompe pas, d'accord? Ouais, apparemment ça a l'air. Ben, je me suis trompé, ça fait 8. Il y aura ensuite 6 prakim sur le Shvuot. De ce fait, on a bouclé d'abord le petit sujet et après on va s'asseoir et approfondir le gros sujet. D'accord? Alors tu vas me dire maintenant, des Yetziot ou Marot? Pourquoi tu ne parles pas aussi des Yetziot à Shabbat et des Marot Negaim? De la lèpre? Ouais, pourquoi tu m'expliques pas ça dans la Mishnah? Sur ça, il n'y a pas de problème. Pourquoi? Kol Chada Vechada Mefarshabe Masechet Didet. Chacun de ces autres interdits, de ces autres Shtaim, Shen, Arba, ils seront expliqués dans leur Maseret. Ceux qui ont étudié Maseret Shabbat savent très bien qu'on commence avec Yetziot HaShabbat, Shtaim, Shen, Arba. Et ceux qui ont étudié Bezrat HaShem, quand on va y arriver, Maseret Negaim, on va parler de toute tâche de lèpre. Là-bas, on va rallonger beaucoup sur la 7, Saparat Vebaeret, tout ce qu'on a expliqué hier dans la première Mishnah. Les Achelo Parchinu Baim Maserta, c'est pour ça qu'on n'a pas besoin de les expliciter, de les expliquer dans cette Maseret. On les a juste évoqués dans la première Mishnah parce qu'ils ressemblaient à deux qui font quatre. D'accord? Maintenant, donc on met le zoom sur le Yediot Atuma. Il fallait qu'il y ait une Yediya Batechila, qu'il ait connaissance au début, chez Yada, chez Nitma, qu'il sache qu'il ait été impurifié. Ve Yediya Basof, et qu'il ait connaissance à la fin. Mishachar Takodesh, Behelem, Onichnas Lemigdash, Behelem, Veyatsa. Il faut qu'il ait connaissance à la fin, après qu'il soit entré au Beth Amigdash, ou qu'il ait mangé de la viande qui était impure. Il les a inversés, d'accord, c'est la même chose. Mais il y a ça. Après, Nodalo, il a pris connaissance chez Betouma Achal, qu'il a mangé alors qu'il était impur. Au Betouma Nichnas, ou bien qu'il a été impur au moment où il est entré au Beth Amigdash. Ve'elem Bentaim, mais le problème c'est qu'il a oublié au milieu. Kshachal et Akodesh, Nelma Mimnutuma au Kodesh. Au moment où il a mangé l'aliment qui était Kadosh, il a oublié de deux choses l'une, c'est sur ça qu'on a pris un Shtemchen en bas. Il a oublié soit Nelma Minotuma, soit qu'il était lui-même impur, soit il a oublié que ce morceau de viande c'était un morceau de Kadosh. Il a cru que c'était le steak du repas d'hier qui était resté et qu'il voulait manger. On Ichnaz la Migdash, Nelma Minotuma au Migdash, ou encore, deux cas de figure. Il est entré au Bata Migdash et il a oublié soit qu'il a été impurifié, soit qu'il est déjà en ce moment au Bata Migdash. Il pensait qu'il était dans une enceinte annexe ou quelque chose comme ça. Alors dans tous ces cas-là, Arezeb et Olev et Yored, il devra apporter un korban Olev et Yored, un korban Khatat qui s'appelle un Olev et Yored. C'est quoi un Olev et Yored? Olev les Hachir, en haut pour le riche, vous pouvez même dire en Olev qui coûte cher pour le riche, c'est Olev Yakar, c'est une fausse traduction. Olev les Hachir, il est le haut niveau pour le riche, ve Yored est le niveau bas pour le pauvre. Hachir mevi Khatat Behema, le riche apportera un animal, un mouton, enfin, d'accord, une brebis qui se bosseira, ve'ani chatat ha'of, le pauvre devra apporter un chatat ha'of, une volaille, un chatat, ve'dal shebedalim, et le pauvre des pauvres, asirit ha'efa, il devra apporter une mincha qui contient une asirit ha'efa, un dixième de efa. Un efa, c'est une mesure, si on se rappelle du eskalav gudo, efa, c'est akav lot beitza, et les coefficients entre les deux, gudo. Retenez, la beitza, on sait quoi une beitza aujourd'hui, 54 grammes. 56, c'est des avis, d'accord? Ben vous faites Eiska, Lav, Goudo, Eifa, Sea, Kav, Log, Beitza, avec le coefficient Goudo, 6, 3, 6, 4, 6. Ouais, ça c'est la série Taifa. Vei Minchat Chote, Amoura, Bekol, Makom, c'est ça ce qu'on appelle la Minchat Chote.
l'oblation du fauteur dans tous les endroits. Une mitra, ça veut dire une oblation, je crois, en bon français. Ok, on a maintenant bouclé le premier sujet. Deuxième sujet, maintenant, on va entrer dans des cas de, dans les prochaines Mishnayot. On va déjà évoquer celui-ci, on reprendra plutôt. On va le jeter en vrac aujourd'hui, et Bezrat Hashem, au prochain cours, on le reprendra un petit peu de manière mieux expliquée, étant donné qu'on aura plus de matière à traiter en même temps. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un qui a su qu'il a été impurifié, qu'il était impur, au début. Après, il a oublié qu'il a été impur, et il est entré au Beth Amikdash. Après, il revient chez lui, il continue à vivre. Il n'a toujours pas réalisé son erreur. Il n'a pas réalisé son erreur, donc il ne va pas pouvoir apporter un korban. Donc, il a fait une faute, et en ce moment, il a un devoir, en théorie, d'apporter un korban, mais pour le moment, il n'a pas encore réalisé son erreur. Alors, il a un problème. Quel est le problème? Vous allez me dire, il ne sait pas. C'est vrai, mais malgré tout, quelqu'un qui transgresse une avéra, eh bien, Mina Shamaim, il va recevoir des fautes et des épreuves. Il va être secoué par le ciel. D'accord? Il a fait une avéra, il doit absolument apporter vite son expiation au Beth Amikdash. Alors, c'est pour cela qu'il va falloir un certain mérite pour être tolé les fautes, pour les suspendre. On va les suspendre. Pour le moment, qu'il ne va pas avoir des épreuves, il ne va pas avoir des issurim. D'accord? Notion relativement simple. Maintenant, on met ça de côté et puis j'introduis autre chose. Lorsqu'on lit les parachutes des Yamim Tovim ou des Rashi Chodashim, c'est dans Rosh Chodesh, quand je tourne le film, c'est Rosh Chodesh, quand vous verrez le film, ce ne sera plus Rosh Chodesh. Là-bas, on dit Osir, Izim, Khatat. Plein de fois, on dit qu'il faut apporter dans les korbanot. Quand il y a un jour saint, que ce soit un Rosh Chodesh ou que ce soit un jour de fête, il faut apporter des korbanot. Toutes sortes de korbanot, des Ola, Par Echad, Aïl Echad, Shiva Kvasim, des fois Shnei Parim. En tout cas, il faut toujours apporter aussi, vous verrez que dans Parashat Pinchas, là-bas il y a écrit qu'il faut amener Osir Izim Echad Khatat. Il faut apporter un korban Seir Izim, un mouton, un bélier plutôt, les chèvres. Ez, Seir Izim, un bélier, on s'est compris, une chèvre, la chèvre de Monsieur Seguin. Et il faut apporter une chèvre et c'est irizim, khatat. Il faut l'apporter en tant que korban khatat. Khatat, il vient expier donc sur des fautes. Quel type de fautes il vient expier? Tous ces korbanot khatat, comme on va le voir dans tout le chapitre, ils viennent spécifiquement sur cette faute-là, d'être entré au Beth Amikdash alors qu'on était tamé, ou d'avoir mangé du kodesh alors qu'on est tamé. C'est une faute tellement grave qu'à chaque fête, que ce soit un Rosh Chodesh ou que ce soit un jour de fête, on apporte un korban seir pour réparer, expier ou suspendre, comme ce qu'on va voir tout de suite, expier cette faute-là d'être entré au Beth Amikdash alors qu'on était tamé. Spécialement, toutes les autres fautes, ces korbanot ne sont pas mechaprim, n'expie pas toutes les autres fautes, uniquement cette faute-là. Kanirik, elle doit être très grave. C'est quelque chose que j'ai déjà essayé de chercher. Pourquoi spécialement cette faute-là? Elle a tellement besoin de kaparot. Apparemment, faire entrer de la touma à l'intérieur du kodesh, c'est un sacrilège trop violent par rapport. C'est plus grave que plein de choses, apparemment. D'accord? Donc, on a introduit pour le moment deux choses. Il faut savoir, tant que tu ne sais pas, on risque de recevoir des épreuves du ciel, des souffrances. Et donc, il faut se faire expier cette chose-là. Et à part ça, on a introduit une autre notion, que dans les korbanot qu'on apporte dans les jours de fête, il faut apporter des chataot, et ces chataot, expiation, ces chataot viennent réparer justement ces fautes d'être entré au Beth Amikdash alors qu'on est tamé, ou d'avoir mangé de la viande alors qu'on était tamé. D'accord? Maintenant, autre dernière petite notion. Non, si je l'ai dit, ça va faire trop lourd. C'est tout. On s'arrête là pour le moment. On a introduit déjà cette notion. On reprendra demain, on refera plus d'ordre. Et maintenant, on lit juste, on traduit. Ça va sûrement être flou pour certains, mais Bezrat Hashem, demain, on reprendra un peu mieux. Yesh ba, enfin, dans le prochain cours, on reprendra un peu mieux. Yesh ba yedia batrila ven ba yedia basof. Si toutefois, il a pris connaissance de sa touma au début, mais après, il a oublié qu'il a été tamé, il est entré au Beth Amikdash. Ven ba yedia basof. Après, il n'a pas pris connaissance à la fin. Il n'a pas réalisé son erreur. Alors là, regardez, il y a un korban khatat spécialement qui va lui suspendre ses épreuves, c'est sa'ir shana asa bifnim ve yom akipurim tole. Le sa'ir, le
le Sa'ir, le bélier, qu'on fait à l'intérieur du bêta, du Kodesh HaKodashim, à Yom Kippour. On va à l'intérieur, comme on raconte dans la Vodah de Yom Kippour, le Kohen va y jette le sang, achat, achat v'shtaim, achat v'shalosh, achat v'shalosh, arba, et tout ça, d'accord. Ce sang-là, spécialement là, cette capara-là qu'on est en train de faire, elle est uniquement pour suspendre les épreuves qui devaient normalement s'abattre sur un homme qui était entré au Beit HaMikdash. Donc c'est le sa'ir shenesa bifnim, le sa'ir qu'on fait à l'intérieur, qu'on apporte son sang à l'intérieur. Sa'ir shenesa bifnim, shemevi midamo lifnim. D'accord. Le sa'ir qu'on apporte à l'intérieur du Kodesh HaKodashim. Et Yom Kippour, les deux ensemble, tolé, suspendent les épreuves qu'il devait normalement recevoir, Achivadalo, jusqu'à qu'il sache, Veyavi, Beole, Veyored, et une fois qu'il saura, qu'il réalisera son erreur, après le temps que ça prendra, eh bien il apportera un Korban, Ole, Veyored. Soit, si je veux illustrer ça concrètement, on est en ce moment en Iyar, quelqu'un et s'impurifie, réalise son erreur, et oublie, après, il rentre au Beit HaMikdash, il ne fait pas attention à son erreur. Alors, il est, pour le moment, il risque d'avoir des épreuves, des issurim du ciel, avoir des souffrances pour lui faire effacer sa faute. Jusqu'à que le prochain Yom Kippour arrive. Lorsque Yom Kippour va venir, alors, quand le Kohen va faire le Sa'ir Anessa Bifnim, le Sa'ir, le bélier, qui va faire... Il y a un autre nom, non, c'est pas grave. Il va faire entrer son sang au Beit HaMikdash, au Kodesh HaKodashim, et il va là-bas asperger le sang. Là, maintenant, il va suspendre les épreuves de l'ami qui s'est impurifié. Mais pour le moment, il ne s'est pas fait expier sa faute. Il a juste un sursis. Jusqu'à ce que, ça peut prendre quelques mois, peut-être même des années, ça va au bout de 10 ans, il va commencer à faire un avoir tilt. Il se dit, ah, il y a 10 ans en arrière, j'étais entre Beit HaMikdash alors que j'étais... Alors là, il devra ensuite apporter son korban au Laveyorod. D'accord, c'est ce qu'il y a dans la Mishnah, c'est clair. On fait très vite le Barthénora. Arizebe Olebe Yored, il doit apporter non l'ensemble de la feste avant. Seir Anessa Bifnim, le Sa'ir qu'on fait à l'intérieur. Seir Shal Yom Kippourim, le bélier qu'on fait à Yom Kippour. Et le bouc, voilà, il me revient. Quand on dit le bouc émissaire, c'est ça, c'est lui le. D'accord, c'est pas lui, c'est son copain. Il y avait deux Seirim à Yom Kippour, peut-être trois même. Shemevi Midamo Lifnim, en tout cas qu'il apporte son dame à l'intérieur. Tolé. Il suspend. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il suspend? Il suspend quoi? La ginalav minaïsurim, pour qu'il n'ait pas d'épreuves et de souffrances qui s'abattent sur lui. Achivadalo, jusqu'à qu'il sache, qu'il prenne conscience de son erreur, c'est-à-dire, Shachal Kodesh Betuma Veyavi Korban Olaveyoren, jusqu'à qu'il va apprendre qu'il avait mangé du Kodesh alors qu'il était impur, et alors là, il apportera son Korban Olaveyoren, et c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha, Kol Tov Sela.